Coronavirus! She's real. She's pretty real. Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Alors aujourd'hui, on va parler du coronavirus, qui est un problème global qui touche tout le monde, la planète entière, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, les bleus, ça concerne tout le monde. Donc on devrait prendre ce sujet très au sérieux. Encore plus dans notre pays, parce qu'on connaît les conditions dans lesquelles on grandit. On voudrait bien toucher beaucoup de personnes pour rappeler les règles de prévention contre le coronavirus. Ouais, et les choses à ne surtout pas faire. Donc aujourd'hui, nous allons préparer un petit matériel et tout pour vous montrer comment déjà utiliser et ce dont vous aurez besoin pour voilà, prévenir le virus. Le virus, voilà, quelques règles d'hygiène en fait. So, let's do it. Lavez-vous les mains avec du savon et à l'eau fréquemment. Donc genre tu as dit c'est genre chaque 20 minutes, franchement faites-le, c'est la base. Ça fait pas mal. On sait que vous n'aimez pas vous laver, mais essayez quand même. Pas de vous laver, lavez-vous les mains. Thank you. So, deux yeux, couvrez-vous la bouche et le nez pour tousser et pour éteindre. Le dev. Voilà, quand vous dites pour faire le dev, vous êtes fort. Quand vous éternuez, faites l'effort, please. Ensuite, tertio, évitez tout contact étroit avec des personnes présentant des symptômes de fièvre, tout, rhume. Je présente des symptômes-là. On n'est jamais sûr. Ensuite, le quatrième et dernier point, si vous avez de la fièvre ou des difficultés respiratoires, contactez un médecin rapidement et ne contactez surtout pas. Restez pour quatre, c'est pas les grands-mères. Pas les grands-mères, ne pas dire que ta grand-mère te dise pas que là il y avait le mien. Elles vont vous envoyer chez la dame. Évitez vous ça. Vous allez tous mourir là-bas. Appelez le 15-10. Le 15-10. C'est le numéro officiel. 1-5-1-0. Voilà, 1-5-1-0. Et ça, quand on te reproche, Domi, c'est toujours toi. Donc voilà. Vous avez des règles, les quatre règles, franchement, ce sont les basiques. Oui, ensuite, ensuite, nous avons le port du masque. Le port du masque, il y en a plusieurs. Et il y a beaucoup d'erreurs aussi. Déjà, si vous n'avez pas envie d'être contaminé et que vous êtes sain, voici le masque approprié. Maintenant, pour le mettre, parce que c'est un mettre en contresens, voici où se trouve le nez, où il y a la bande, c'est en mousse. Voici où se trouve le nez. On commence d'abord par cet élastique ici. On met en dessous du menton là. Ah d'accord. Et ça doit couvrir la bouche et le nez en même temps avant de remettre. Ah ouais, il y a des gens qui mettent ça comme ça. Voilà. Sur les ongles. Ah seulement. Ah ouais. Et mon cerveau bug quand je vois. Après je pense qu'il y a différents types aussi. Il y en a différents. Mais en fait, sachez que ce type là, celui-là, ce type de masque là. On ne le met pas comme ça. C'est ça, c'est comme ça. Donc la bande noire doit être à ce niveau-là. That's right. Et le deuxième doit être au niveau du membre. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ceci en fait c'est pour des personnes infectées. Il est quand même assez agréable parce qu'il y en a plusieurs. C'est pour éviter de répandre la maladie autour de soi. Donc on peut être malade, on se protège, on ne contamine pas les autres personnes. Cette ouverture là en fait ça permet de respirer parce qu'il y a un autre masque qui n'a pas cette ouverture là, c'est un peu plus cher, mais ça permet de respirer.
Donc, on met toujours en dessous, vous voyez. Là, j'allais commettre la même erreur. Cette partie-ci, c'est au niveau du nez. Parce qu'il y a une bande là. C'est ça qui se trouve au niveau du nez. Donc, on met le menton ici. On met la bouche et le nez. Et ensuite, on met la deuxième élastique. On dit un élastique. Les élastiques, Tu te rends malade. Tu gardes plutôt les microbes. Voilà. Parce que ça fait facilement, faites attention à ça. À défaut du masque, ce qui est très important, la première chose à avoir, ce sont les gants. Ce sont surtout les gants. Et quand on, il faut éviter de se toucher le visage, les yeux, la bouche, le nez, tout ça. Il faut toujours avoir les gants. Quand vous sortez, peu importe, quand vous travaillez, dès que vous finissez avec, il faut les jeter directement à la poubelle et ensuite se désinfecter les mains. Tu nous montres comment on peut se désinfecter les mains? Donc, on va prendre notre solution de chez Bactol. Pourquoi on vous montre une solution de chez Bactol? Parce que c'est camerounais et nous encourageons énormément tout ce qui est consommation locale. Consommation locale. Toujours. Donc, Gloria va nous montrer comment elle se désinfecte les mains. C'est très facile, c'est comme quand on lave les mains. Un peu sur la paume de main, même sur les deux paumes de main. Il faut économiser. Il y en a pas. Mais bon, le bateau n'est pas si cher que ça. Ça coûte combien déjà? 950 francs. Pardon. C'est 950. Moi, j'achetais le mien à 4500. Mais justement, les gens en profitent pour augmenter les prix. Et on m'a demandé d'arrêter d'augmenter les prix. Ça sent bien. Ce que moi j'aime surtout sur Bactol, c'est le fait que ça n'a pas de parfum. Parce que parfois il faut désinfecter les mains. Regardez, mes mains ne sont pas propres. Ça doit être le fond de teint. Regardez. Oui, par contre, si tes mains sont propres, il n'y en aura pas. Tu vois. Oui. Voilà. Mais arrêtez d'augmenter les prix parce qu'il y a une pandémie. Moi j'ai acheté le mien à 4500. Le Bactol. Non, pas le Bactol. Consommer camerounais, c'est moins cher et c'est efficace. Moi j'ai trouvé ça à Carrefour Market. Et moi on m'a vendu ceci, le paquet de 10 à 20 000 francs. Imaginez. Le paquet de 10? Oui, le 10? Paquet, oui, sérieusement. Et je suis arrivée à Maïma, j'ai trouvé ça à 12 500. Et le type en question disait que c'est lui qui fournissait les supermarchés. Oh, comment? Donc, je me suis fait berner. Ne vous faites pas berner. Et ce que j'aime aussi sur Bactol, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Parce que parfois, il faut désinfecter les mains. Et quand tu as le parfum sur les mains, c'est pas conseillé. Non. Consommer local et on recommande Bactol. Ah, ça? Les gants, moi, je conseillerais aux gens de les utiliser. Surtout quand vous allez dans des espaces publics. Si vous sortez pour prendre le taxi, ayez vos gants. Si vous sortez pour aller faire les courses au supermarché, ayez vos gants. Mais enlevez-les dès que vous finissez ce que vous avez à faire. Parce que ce ne sont pas des accessoires de mode. Encore la couleur bleue quand même. Vous aussi. Mais n'oubliez pas, surtout, ayez toujours vos gants. Tu veux rajouter quelque chose de vous? Faites attention, restez chez vous. Protégez-vous pour nous protéger nous, parce que voilà, c'est une maladie qui se transmet. Ça veut dire que si je ne prends pas assez soin de moi, j'expose Domi et vice versa. Donc en fait, c'est un truc de... voilà. Et puis on se dit que c'est difficile, mais disons-nous que c'est pour une période de temps. C'est pour un temps, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pour protéger nos amis, notre famille et tout. Donc restez chez vous et limitez les déplacements. Voilà, voilà, respectez les différentes règles. Au fond, vraiment rien du tout. Donc voilà. Donc merci de nous avoir écoutés et voilà, on vous retrouve pour la prochaine vidéo. Coronavirus! Coronavirus! Yeah. Coronavirus.